Et dans la partie à démarrer, deuxième demi-finale, 1 à 0. Premier point donc pour les Bleus. Les Bleus composés de Yon Biscoubi et de Gnacki Etchewen. Et face à eux, Alexis Tchospé et Nicolas Dufault. Biscoubi au but. Droit, bien buté, mur de droite, petit palette, du four remet. Biscoubi sur la planche. Du four. Allez bien. Ah, Gnacki en bas. Donc là, on a deux profils derrière, des joueurs un petit peu similaires, de grosses frappes. S'ils sont bien, ce sont deux garçons qui peuvent taper très très fort. Et. Qui peuvent mettre beaucoup de vitesse dans le jeu. Et face à eux, mais devant, on a Alexis Tchospé en gaucher, qui est capable de jouer également main droite. Très bonne main droite. Joueur, bon buteur également, qui en général met une dizaine de buts. Et Yon Biscoubi,
qui est en pleine forme en ce moment, qui fait énormément de points dès qu'il a la balle pelote, c'est son atout. Chouin, bien tapé, du faux, bien sorti. Et Yon qui apprend également, on le connaissait très joueur, à poser, la bien coupé de la gauche. C'était un joueur, on le connaissait très joueur dans le 1, à faire des points, mais il a appris également à taper la pelote par en dessous, il varie plus son jeu, sa volée haute devient plus percutante également, et il est en pleine progression. Il fait une très très belle saison 2024. Et sur sa lignée, donc il arrive sur cette demi-finale de Coupe des Chasseurs, plein de confiance. But un peu court, il faut remettre comme il peut. Scobie, par en dessous, ça monte sur la planche, du faux. Il remet bien. Gnacchi. Alors qu'il va vite, du faux remet comme il peut. Gnacchi et Chouin. Bonne pelote. Mais du faux tape bien tout droit. Chouin, très très belle planche. Et du faux fait faux. Ouais. Chouin met beaucoup de vitesse dans ce début de partie, dans sa pelote. Donc on va avoir un jeu un peu différent par rapport à la première demi-finale, puisque c'est un jeu de joueurs qui jouaient plutôt précis, serré. Là, on a des joueurs avec un fort potentiel de grosse frappe. Après les deux arrières. Bonne planche du four. Je vais en bas. Sur ce coupe. Attention. Oups là. Je me lâche un peu. Attention. Tu vois. En bas. Oula. Coup de fusil. Biscobi. Bonne planche. Non. Palette. Il faut. Solide sur les appuis aux palettes. Chouin tout droit, bien tapé, du faux de la gauche, au pic, bien. Yon Biscobi pose, j'espère anticiper, voilà, ça rentre pas. J'espère de la volée, ça rentre pas. Chouin en bas, j'espère comme il peut. Yon Biscobi, magnifique, il pose, ah, j'espère y était, mais on fait le point. Bien joué. Biscobi dans le 1, capable de faire beaucoup de points. Si ça ne vient pas très vite, 4 heures. Ouais. Yon, très beau joueur. Ah, Biscobi Buffo, trop tendu. Tu spé au but. 2 à 4. Point gratuit, point donné. Tu spé but bien et rebote. Vous pouvez la sortir, Gnacchi, il n'y avait pas trop d'effet. Elle a glissé un petit peu sur la fin. Alexis Nchospé, son point fort, est capable de mettre des buts. Avec son bras gauche. Premier but pour Nchospé. À nouveau, dans le mur de droite, deuxième but pour Nchospé. Ouais. Et on est à 4 partout. Première égalisation. Il avait le temps. Gnacchi. Deuxième but. Deuxième égalisation. Mais deuxième but aussi. Nchospé au but. Ah, il est capable de mettre des buts. Alexis Nchospé. Capable de bien couper lui. Bien tapé par Echegouin qui a bien refilé là. De côté. Du faux, bonne planche. Belle gauche, Chouin. Bien tapé de la part du faux. Oula, ça monte sur la planche. Gnacchi et Chouin remet. Nicolas Dufaux. En bas, ça reste plutôt au milieu.
Tchegouin par en dessous, bien tapé, Artechalé. Dufault la volée haute, vers un peu vers le milieu. Tchegouin, ah, ça reste au milieu. Dufault, en bas sur Biscoubi. Biscoubi tout droit, bien tapé, très bien tapé même. Compliqué pour Dufault. Et il la sort, bien. Biscoubi prend le jeu. Ouais, petit volée haut en bas. Ouais, attention à Tchegouin. Il attend, c'est dommage, Niaki. Eh oui, il attendait, on sentait que c'était une pelote qui venait à mourir. Il fallait la prendre avant. C'est un petit peu les défauts de Niaki parfois, là, d'attendre un petit peu et que ça vient vers le mur. Et du coup, les rouges prennent l'avantage 5 à 4. Enchospé au but, mur de droite, il va chercher à... Ah non, filet direct. Niaki dans les galeries. 6-4. Troisième but. 6 points, 3 buts. Allez, un tir au but. Tout droit. Bien sorti. Chospé va couper. Oui, bien coupé. Tchegouin était là. Il faut. Très bien tapé. Tchegouin en voleur de la gauche. Incroyable. Il faut. La planche. Et oui, les coteaux passent en avant. Guillaume Biscoubi disait aïe, aïe, il faut bonne planche. Et ça fait pomper chalet. 7 à 4. Enchospé au but. Mer de droite, difficile. Ça s'arrête quand même, il a un peu de place. Bien sorti. Enchospé de la droite, glisse sur la planche. Il y a qui glisse un petit peu là pour l'instant sur ses appuis là. Ouais. Non, ça reste au milieu. Du faux milieu. Biscoubi rentre dans le jeu. Ça reste au milieu. En dessous du faux. Je vois un remède comme il peut. Chospé coupe. Chegouin pour l'instant, c'est pas mal au milieu, mais ça vient vite. Petit palette pour Biscoubi. Il joue le premier filet. En dessous, Biscoubi, c'est pas mal sur la planche. Du fond de la gauche, bien tapé. Chegouin, tapé sur un Chospé qui remet gauche-gauche. Non, ça reste au milieu. Au milieu du faux. Chegouin tire. Chospé de la droite. Ah, ça reste au milieu. Milieu. Non. Ouais, donc là, pas mal de plots au milieu de part et d'autre. Ça touche pas trop. Donc on a besoin de relâcher un petit peu la pression sans doute. Et du coup, c'est les rouges qui ont pris un petit avantage. 4 points, 8 à 4. Au but, Enchospé. But bien. Non, Tchegouin, latéralement, renvoie bien. Dufault par en dessous, bien tapé. Et Tchegouin, en voleur de la gauche, remet bien. Tchospé de la droite. Et Tchegouin, tel qu'un gaucher, à la voleur de la gauche. Biscoubi coupe bien. Chospé pose. Biscoubi vers le filet. Dufault remet. Ah, ils ont du mal à se parler. Bizarre, ils ont l'impression de, on a l'impression qu'ils glissent, ces joueurs. Là. Ouais, sur début de partie, alors que tout à l'heure, on ne donnait pas cette impression-là. Bizarre. Deux, trois fois, là, ils ont le pied qui se dérobe, qui glisse. Point pour les rouges, 9 à 4. Les rouges sont bien rentrés dans la partie. Chospé, tout droit. Chegouin de côté. Il faut Artechalé. Chegouin à voler. Il faut par en dessous. Chegouin de la gauche.
Je suis de côté, au milieu, tu vois, ça les tique sur la planche. Il faut, ouais, palette. Tu vois en bas, difficile pour un chospé, il remet lentement. Yankee, ah, ça lui échappe. Bonne pelote pour Dufaux. Je remets bien vers la gauche. Yankee, tout droit, sur la planche. Dufaux en bas, non, falta. Ouais, je joue un peu en bas vers Biscoubi, mais trop bas. Cinq à neuf. Biscoubi au but. Mur de droite. Hein. Mur de droite. Hein. Ça va toucher les deux murs. C'est bien sorti. Bonne pelote pour un joueur. Qui lutte pas par en dessous. Il faut bien pour les hautes, bien taper sur la planche. Je vois un vers un chospé. Non, ça reste au milieu. Et bien tapé. Bonne planche. Est-ce qu'elle est bonne? Non, elle est fausse. C'est du faux de la gauche. Il n'y arrive pas. Bien tapé, c'est ça qui est avec Chouin. C'est, il est très surprenant. Il est capable de mettre quelques plots au milieu. Mais à côté de ça, lorsqu'il touche bien, sa plot va vite. Et là, sur la planche, un deux bon et au fond. Et il faut avoir une grande gauche pour vraiment bien les sortir. Point pour les bleus, 6 à 9. Oui, arrête. Bien tapé de la part de. Je vois au milieu. Suspecto. Oula. Biscoubi va chercher, heureusement. Et rebote pour Chouin. Oula, c'est à moitié pétio. Attention. Ouais, ça s'est tapé. Biscoubi coupe. Chospé très bon, toujours en défense. S'accroche. Chouin coupe. Chospé comme un. Gabri arrive à relever. Les rouges, grosse défense des rouges. Et là, Dufaux remet bien sur la planche. Oula, elle est bonne. Voyons, qu'est-ce que va faire Niaki? Par en dessous, bien tapé. Difficile pour Dufaux, qui remet vers le milieu. Biscoubi rentre. Bien tapé, ça prend la planche. Ouais, bon point. Bien tapé de la part de Chegouin, c'est trop fort. Ça a tourné. Il va tirer Dufaux? Non. Mais il allait sur le milieu. Il tape. Il glisse pas ses jambes. Oula, c'était une plotte plutôt à l'arrière. Chospé pensait qu'il y avait une plotte qui allait s'arrêter plus rapidement au sol. Puis finalement, elle a pris de la vitesse. C'était une plotte à l'arrière finalement. Et du coup, Alexis reculé. T'es pas très bien sur ses jambes. Voilà, par rapport à la première partie, ça joue moins précis, mais ça joue plus vite. Plus d'intensité. Plus de force. 7 à 9. Biscoubi au but. Mur de droite, il ne touche pas le mur pour l'instant. Et Dufaux sort bien la pote. Yaki part en dessous, va traverser le trinquet, ça monte. Bien remis par Nicolas Dufaux. Yaki et Chouin de la gauche, gauche, gauche. Nicolas Dufaux, bonne planche. Chouin, bonne planche. Dufaux, juste aussi. La bonne planche de la part des deux joueurs. Dufaux de la gauche, traverse. Yaki tranquillement, très très bien tapé ça. Difficile pour Nicolas Dufaux. Qui la sort, il a une très bonne gauche. Biscoubi à la volée, Chospé à la volée, remettre. Chegouin par en dessous. Dufaux aux palettes. Chegouin, c'est tendu, mais ça fait le palette. Dufaux au premier filet sur Biscoubi. Dufaux la planche. Là, ça recommence à jouer un peu juste. Chegouin comme il peut. Dufaux tout droit.
Bien remis. Suspect gauche-gauche. Ah ! Gauche-gauche qui a surpris Viscoumi qui avait anticipé. Et du coup, il a été pris un petit peu par le rebond. 10 à 7. Voilà, la partie qui s'équilibre, des points qui deviennent un peu plus longs. Et donc là, ça commence à être intéressant. Une chance plus au but. Mur de droite, bien buté, difficile. C'est bien sorti. Suspect coupe, aux palettes. Viscoumi remet. Nicolas, non, pas très bien joué. Naki la planche. Et rebote pour Nicolas Dufaux. Voilà qui va très très vite. Dufaux remet bien comme il faut. Je vois un par en dessous. Très très bien tapé. Ouais, très très bien tapé. Ouais. Deux très très bonnes planches avec beaucoup de vitesse. Et après par en dessous. L'autre qui arrive au 5, bien serré. Viscoumi au but. Allez, Yon, il va buter vers le mur de droite. Il n'a pas touché pour l'instant. Et là, il le touche et il rentre et le premier but. Par le mur de droite, comme ça. Ah, la couture s'est déchirée de la pelote. Et donc, obligé de changer de pelote. Voilà. Christophe Sorondo donne la pelote au responsable des pelotes, Bruno Escobar. Pelote qui s'est cassée, qui s'est déchirée. Changement de pelote, ils ont pris une pelote un peu plus sèche. De 9 à 10, ça y est. Les 10 premiers points sont passés. On sent une partie équilibrée, en tout cas pour l'instant. Viscoumi au but. Bien buté, mur de droite. Bien sorti par Dufaux. Viscoumi par en dessous, bien sorti par Dufaux. Viscoumi tire, bien joué. Ouais, fait du jeu, Viscoumi. Un peu affusé. Et 10 partout. Chalobat, ici. Et oui, Nicolas Dufaux dit que c'était à lui. C'est vrai que Enchospé lui a reculé, la pelote elle fuse, c'est compliqué pour lui pour venir la chercher. Viscoumi au but. On va continuer à rechercher le mur de droite. C'est ça, un peu plus haut, ça va rentrer, il faut mettre la main. C'est bien sorti. Joueur, tout droit, du faux, de côté, bien tapé sur la planche. Joueur par en dessous. Ouh, c'est bien serré, ouais, il y a eu un peu d'effet, il faut la prendre de la gauche, ça va être compliqué. Très bien tapé de la part de Chegouin. Viscoumi au but, tout droit, attention, oui c'est sorti, bien. Bonne pelote pour Etchewa, hein? Petit bond,
Eh oui, il y a eu un petit bond, il est resté très droit. C'est pas assez fléchi. Au dernier moment, il est resté là. Il n'a pas rebondi, ce pelote. Il y a qui dit qu'il avait deux idées. 11 partout. Un chausse au but. Ah, c'est un peu court. Chegouin facile de côté. Comment pas là. Attention, Chegouin va rentrer. Il va traverser. Dufaux la sort bien. Chegouin en bloc. En coupé. Oups, ça rebondit. Attention, premier filet. Dufaux est là. Escoubi. Ouais. Chausse fait faux. Les bleus dominent là. Vitesse de pelote un peu plus supérieure et. Et en même temps, comme ils arrivent à jouer précis, maintenant, ça devient difficile pour les rouges. 12 à 11. Biscobi au but. Mur de droite, ça n'a pas touché. Dufaux de côté, comme Chegouin, des bras costauds, il ressorte ça. Chegouin, grosse planche, mais ça va tourner. Il va faire Nicolas Dufaux. Il va tirer. Non. Il joue à gauche, mais ça va faire palette. Chegouin, bonne planche. Dufaux de la gauche. Biscobi rentre, mais il n'en profite pas. C'est une flotte à l'arrière plutôt. Et Chegouin. Non. Tout droit. Il faut la planche. Ah, bonne planche. Ça va faire un petit pic, un petit palette. C'est bien sorti. Chausse-pied va vouloir couper, non? Il faut, c'est bien tapé, ça. Un bon, dommage. Mecki de côté, bien tapé. Nicolas, au palette, non? Pas au palette. Planche qui reste à droite. Chegouin de la gauche sort bien. Du faux. Non, ça reste au milieu. Chegouin traverse. Du faux la volée haute. Ça reste au milieu. Il se coupera dans le jeu. Aider, Chausse-pied gauche gauche, Biscobi, Chausse-pied gauche gauche, Chegouin par en dessous, bien tapé, du faux de la gauche, de bonnes pelotes pour les bleus. Non, Biscobi profite pas, bien tapé ça de la part de Dufaux. Ah, il y a un Dufaux. Ouais, traverse, et Chegouin, elle est bonne. Ah, le point pour Chausse-pied, bien coupé. Ah, bien joué. 12 partout. Cinquième égalisation. 12 partout. Chausse-pied au but. Chausse-pied va chercher la meilleure de droite, c'est là où il a fait le plus de points. Il est un peu court pour l'instant. Ouais, là, c'est une pelote plutôt pour Biscobi à la volée. Et Chegouin qui rentre par en dessous. Compliqué pour lui. Quand c'est vraiment en dessous, si c'est sur le côté, c'est plus facile. Un chausse-pied au but. Toujours tout droit sur Biscobi qui remet. Il faut en bas dans les jambes de Biscobi qui remet. Gauche-gauche. Gauche-gauche pour un chausse-pied. Ah, hein, qui laisse au milieu. Nicolas Dufaux. Rampalette. De côté, non, ça reste au milieu. Il faut, au milieu. Non, il y a qui laisse au milieu. Là aussi, c'est encore au milieu. Encore au milieu, un peu plus serré. Là, y est, ça se rapproche. Parce qu'on lui coupe. Ouais, c'est pas académique, mais ça joue. Chausse pose. Parce qu'on lui pose au pan coupé, fait le point. Ouais, c'est un jeu peu académique pour, là, sur ce point en tout cas, avec des plots qui s'en restent au milieu. On ne fait pas l'effort de reculer, on rentre à la volée un peu n'importe comment. 13 partout. Ouais.
Allez, les deux équipes sont au coude à coude, 13 partout. Il se combien au but? Filet du fond. Bien sorti par Dufaux. Pas difficile, hein? Yaki, ah, ça lui échappe un peu, ça reste au milieu. Ça vient vite malgré tout. Et Nicolas, en repliant le bras, joue la planche. Yaki, non, ça reste au milieu. Nicolas, sur la planche, ça va faire. Oula, falta. Ouais, il y a le défaut de Haïdé, rebond, au final. Yaki l'échappe. Une chance fait au but. Tout droit. Bien sorti par Etchewer. À côté. Très bien sorti même. Dufaux. Palette. Mickey au premier filet. Chose fait comme il peut. Bien tapé de la part d'Etchewer. Il se coubira dans le jeu. Voyons ce qu'il va faire. Lyon il tire. Mais Dufaux est là. Elle est bonne. Elle est bonne, un bon, deux bons, trois bons, il la sort. Ouais, Dufaux tape bien. Dufaux est bien, Dufaux est bien. Palette. Chouin va rentrer dans le jeu. Non, ça fait Palette à nouveau. Dufaux en bas sur Biscoubi. Biscoubi est tout droit, ouais. Dufaux, encore, en Palette. Il y a qui part en dessous. Ça va rentrer ici. C'est sorti par Dufaux. Très bien. Choué en bas sur une chausse P. Oula. Fait le point. Bien joué. Ouais. Plotte. Ouais, Kunyaki, lorsqu'il arrive à serrer son jeu, sa plotte vient tellement vite que c'est très compliqué. Nicolas Dufaux est sorti une plotte très compliquée. 14 partout. Biscoubi au but. Vers le mur de droite, sans doute. Ouais, mur de droite, difficile. Ouais, bien, bien, ouais. Bon but. Très bon but de la part de Yann Biscoubi. Assez bas, on n'a pas le temps de mettre la main parce qu'elle est assez basse. Deuxième but. Là, la solution, c'est de monter à la volée parce qu'avant le mur, c'est pas très très haut. Biscoubi au but. Il va essayer de reproduire le même but. Un but long. C'est exactement ça. C'est un peu le même. Ça touche le bas. Ça touche les rebots. C'est bien sorti. Très bien sorti. Jouer à gauche. Je coupe. Bonne planche de Chihuahua. Il faut coupe, pas mal. Chihuahua, bien. Ça va faire un... ah, ça va faire palette tout fort. Voyons ce que va faire Nicolas Dufaux. Il reste sur le côté gauche, mais au palette. Chihuahua part en dessous, bien tapé, bien tapé. Ça touche le coin. Ouais, bien tapé. Bien tapé par Chihuahua. 16-14.
Allez, la partie reprend. Il y a eu des plongeons de Nicolas Dufaux, donc il fallait essuyer le sol. Allez, Biscoubi au but. Les Bleus ont pris un petit avantage de 2 points. On est arrivé à mi-partie. Allez, Biscoubi est parti. Ah, un peu court. Dufaux refile bien. Biscoubi tire, a de l'effet sur la planche. Donc il y a de l'effet. Dufaux glisse et fait faux. Ça glisse un peu ici. Le temps chaud qu'on a eu aujourd'hui. Allez. 17 à 14. Biscoubi au but. Bien buté, mur de droite, ça va rentrer et c'est bien sorti. Tu vois, une bonne planche, rapide, le foule à la gauche. Bien tapé de la part de Tchouin, Téchalet, bien, mais de la vitesse. C'est vrai que si on ne monte pas la volée directement après le bon, c'est dur de prendre ça. Pas de sort vite au sol. 18 à 14 pour les Bleus. Biscoubi au but. Palette, ça fait palette. Non, c'est arrêté. Incroyable. Il y a un drôle de rebond. 19-14. Troisième but pour Yann Biscoubi. 19-14, les Bleus ont fait un petit trou là, 5 points. Biscoubi au but. Toujours pareil, celui-là aussi il est pas mal. Ça va rentrer. Non, ça rentre pas, ça touche les rebotes. Dufaux ramène comme il peut. Biscoubi coupe. J'espère ramène comme il peut. Attention, Tchouin, ça va aller vite. Attention. Ah, il veut tirer. Ouais, bonne planche. Bien, il faut remet. Et là, on a Biscoubi qui rentre dans le jeu, qui tire magnifiquement bien et qui fait le point. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais. Cette équipe bleue se complète bien. On a Tchouin très puissant qui donne la bonne pelote à son avant. Et Biscoubi aime ces pelotes-là, est capable de faire du jeu. Tempo demandé par les rouges. Partie qui reprend. Ouais, c'est vrai que cette équipe bleue se complète bien, ce qu'on disait là derrière. Avec un Atchouin quand il est à ce niveau-là, très efficace, très solide, qui va très très vite, un jeu juste. Il faut toujours mettre la main avec lui, et il y a des fois c'est pas facile, même s'il tire au milieu, toujours de la vitesse. Et puis un Yann Biscoubi qui lui joue magnifiquement bien. Capable de faire des points, à le sens du jeu. Je vois une bonne planche. Ça va faire palette, là, par contre. Et elle est au fond. Il faut toujours reculer. Et Dufaux, là, ça peut être au milieu.
Je vois, lui, en profite pour faire une grosse planche. Prends le cadre dessus. Là, on sent que Chigouin prend le dessus sur son arrière adverse. Et les bleus se détachent, 21-14. Il faut sortir la pelote. Les bleus toujours à l'attaque. Les rouges en défense. Est-ce qu'il les coupe? Attention, doucement, tu vois. Ouais, une bonne planche. Costaud. Les bleus toujours à l'attaque. Voyons, attention, tu vois. Ah, ouais. Même si c'est au milieu, c'est pratiquement au fond du trinquet. Nicolas Dufour remet comme il peut. Discobi bien tapé vers le filet. Discobi à nouveau. À la volée, bonne planche. Il faut. Prenez. Discobi tire, bien tiré. Chospé fait ce qu'il peut. Attention. Hey. Chospé bien, bon défendeur, remet comme il peut. Chouert est chalé, Dufour rentre, mais pétou. Ouais. Ah oui, ils sont en défense, c'est rouge. Et en même temps, la pelote, la seule pelote où on pouvait reprendre un petit peu le mur, c'est un pétou. Ça devient difficile un petit peu pour les rouges qui subissent énormément et du coup ils sont toujours en défense. Perd du jus quand on est en défense et puis lorsqu'on a la possibilité de reprendre le mur, on n'en profite pas. On veut forcer. Discobi au but. Bien buté de la part de Biscobi. Elle est bonne. Oula, ça se fait. Il a du mal à reculer. Attention, tu vois. En dessous, traverse le trinquet. Il faut remettre. Ouais. Biscobi. Premier filet, magnifique. Biscobi, très bien. Très efficace. Et là. 10 points d'affilée pour les Bleus qui sont en train de prendre le dessus dans cette partie. Yon est très efficace, accélère à la volée également après le bon. Tire aussi, fait du jeu tout simplement. Yon au but. Chercher le mur de droite. En cette droit. Nicolas Dufour, bien de côté. Ça touche la palette. Gnacchi un peu vers le milieu, mais c'est loin. Dufour laisse au milieu. Coup de plot au milieu de la part de Nicolas Dufour. Je vois en premier filet, Chospé se fait un petit peu fusiller. Et du coup, ensuite, Chospé met comme il peut, remet comme il peut. Et Biscobi, pour l'instant, grande efficacité, fait le point. Yann Biscobi, très très bien. Très motivé. Il joue juste. Biscobi au but. Aïe, Yon. Ouais, mur de droite. Attention. Dufour la sort. Biscobi rentre. Pas plutôt à l'arrière. Où il tape pas comme il faut. Chospé est rentré. Il va faire le point. Non. Biscobi remet. Attention, Dufour.
Ouh là là. Dans les pattes de Biscoubi, mais pas très efficace. Là, par en dessous, c'est mieux. C'est plus difficile. Ça a monté. Ça reste à gauche. Chewen, grande gauche. On bloque la pelote vers le mur de droite. Ça va jouer le pan coupé. Biscoubi, petit de mur. Enchospé remet comme il peut. Attention. Premier filet pour Chewen. Bien défendu par Enchospé. En bas pour Biscoubi. Bien défendu par Enchospé. Chewen par en dessous. Difficile, ça va rentrer au filet du fond et ça rentre au filet du fond. Ouais. Chegouer maîtrise son sa frappe à défaut des deux premiers points et sans forcer, avec la force qu'il a, lui, il traverse le trinquet. En un bond, il arrive au filet du fond. Et on est à 25 à 14. Et rebote. Etchewer. En bas. Rapide. Etchewer. Dessous. Ça va au filet du fond. Poteau. Et oui, encore la même. On se dit oula, oula, oula. Et non, elle reste dedans. Il a des moyens extraordinaires, Nyaki Etchewer. C'est une vitesse de pelote à la Luis Sanchez. Et c'est vrai que ça fait quelques temps, là, quelques semaines, que. Commence à toucher de mieux en mieux. Et quand il est comme ça, c'est difficile à le contrer. 26-14. Deuxième tempo pour les Rouges. Parti reprend. Filet du fond pour Biscoubi. Remis par du fou de la gauche comme il peut. Voyons, Yon. Rentre dessus, ça monte sur la planche, ça va tourner. Il faut tirer le demi-mur. Ah, bien tiré. Ouais. Il a voulu faire un petit demi-mur, Yon, mais la pelote elle venait vite. Et du coup, il a fait faux. 15 à 26. Il y a vraiment quelqu'un qui l'a pris, c'est pas ça.
J'espère. J'espère au but. Bien sorti par Biscovic. Allez, il faut bonne pelote pour lui. Ah, il rejoue la planche. Il y a longtemps qu'il n'avait pas fait de planche. Et ça rentre au filet du fond. Hein? Comme quoi le tempo a fait du bien. 16 à 26. Ça revient à 10. Enchospé au but. Mur de droite, ça va faire Palette. Palette. Non, ils ne s'entendent pas bien. Non, Palette à l'avant. Agnaki a voulu le prendre. Non. Et un but pour Alexis. Qui remet un peu de gaz. Cinquième but pour Alexis, pour le mur de droite. Ouais. Qui recommence à prendre de l'énergie, à vouloir faire douter les bleus. À nouveau, bon but. Difficile. Non, il y a la place. Agnaki remet sur la planche. Oula, de la gauche, ça coupe, Alexis sur la planche, bien, bien, joué un, hein, de gauche, du faux, allez, qui laisse au milieu, c'est dommage, Gnacchi lui en profite et va faire le point, magnifique, eh oui, Gnacchi joue juste aujourd'hui, et Nicolas laisse au milieu, ouais. 27 à 17. Biscovi, part au but. Biscovi, mur de droite, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, puisqu'elle rentre au filet du fond. Bon but, sixième but. Cinquième but. 28-17. Quatrième but. 28-17. Biscovi au but. Ouais, à la droite aussi, il faut la voler bien remis. Oh, on pose, il fait le point. Non, c'était sans faire exprès. Il était un peu coincé à sa gauche, mais malgré tout, il a sorti et la pelote reste gauche-gauche. Ça fait le point. 29-17. Biscovi au but. Toujours mieux de droite. Sans quand même que les bleus ont pris le dessus dans cette partie. Mais bon, tout à l'heure, on a bien vu qu'il y avait eu un retournement de situation. Donc, une partie n'est jamais finie. Et Chevrouin, grosse planche, mais ça fait gros palette. Et Dufour rejoue la planche. Chevrouin tape très très bien vers le premier filet, ça vient vite. Je sais comme il peut. Attention, Chevrouin. Belle planche, rapide. Dufour obligé de prendre la gauche et fait faux. Ouais, Gnacchi met beaucoup de vitesse sur les planches et Nicolas est pris de vitesse. Voilà, donc pour rappel, pour cette fin de semaine, nous avons donc la finale trophée Eri Arena de Baïgorry, organisée par le club de la Saïr Chegui. Donc le matin. N'oubliez pas, c'est le matin, la finale groupe B à 10h qui va opposer les vainqueurs d'hier, Siarusta et Arotzarene, à Otsomendi, le local de Baïgorry et Antion Luro. Et à 11h, la finale du groupe A qui va opposer Philippe Biel et Eyande Oratégaray face à la paire qui a gagné hier, Maxime Echeverri et Ducassou, à 11h. Donc voilà, le trophée Eri Arena touche à sa fin. Week-end prochain, de belles finales en perspective. Le lundi, donc, nous aurons en finale à nouveau Antion Luro, espérant qu'il aura récupéré de sa partie du dimanche. Mais bon, c'est comme ça. Parfois, les aléas du sport font qu'on enchaîne des parties. Antion Luro a eu le mérite d'arriver dans les deux finales, donc il enchaîne. Antion Luro avec Maïs contre le vainqueur d'aujourd'hui. Et on sent que le vainqueur de cette deuxième partie risque d'être Biscovi et Etchegouin. Et ensuite, à la fin du mois, nous allons aller donc du côté de Saint-Palais avec le challenge Amicoussé
challenge qui va réunir les meilleurs joueurs du circuit, notamment Payolo Larralde qui va re-rentrer. On le félicite pour la venue de son enfant. Donc il va revenir jouer ce tournoi. Luis Sanchez également va revenir re-rentrer sur le change d'Ami Crousset. Voilà, et donc les équipes sont en constitution. Donc challenge Ami Crousset le 1er novembre, vendredi 1er novembre et finale le dimanche 3 novembre. Au même moment dans les Landes, le tournoi demi-trinqué à Sobrigue, tournoi organisé par Pelote Passion de Christophe Dardy. Christophe Dardy qui organise ce tournoi depuis de longues dates maintenant, avec des parties qui se dérouleront le mercredi, le jeudi et la finale le samedi. Voilà un petit peu pour la fin de cette fin octobre et début novembre. Et en novembre, on aura un peu moins de parties avec le Masters Eshko Pilota, le dernier Masters de l'année en 2-2, avant le Super Prestige 1 contre 1. Le demi-trinqué à Macaille, tournoi de Macaille, et également fin de novembre, le tournoi de Bussunaris. Et après, un peu de repos pour certains joueurs. Et ensuite, le Super Prestige, on repart sur du tête-à-tête avec, on se souvient, une finale extraordinaire l'année dernière entre Sanchez et Payo Larralde, où la partie avait fini 40-39. Donc voilà, une fin d'année qui est encore intéressante avec de belles parties en perspective. Deux Masters, donc un Masters de Eshko Pilota, le Masters qui est compris comme un Masters de Super Prestige, l'un contre un. Voilà pour la suite. Tempo. La partie reprend, donc on est à 34-17, Biscobi au but, tempo demandé par les rouges, Yann Biscobi. But tendu, difficile à sortir, ouais. En plus avec un Eshkin. Et oui, quand on a de l'avance comme ça, quand on domine, c'est souvent, on a la chance avec soi. Yann Biscobi, sixième but. De très bonnes pelotes aujourd'hui, trinqué Garat. Six buts d'un côté, huit buts de l'autre. Première partie, c'était exactement ça aussi. Donc ça veut dire que les joueurs sont capables de faire des buts, mais il n'y en a pas trop. But au filet du fond, Biscobi. Petit rebote. Et fausse. Septième but pour Biscobi. 36-17. Biscobi au but. Bien buté par le mur de droite à nouveau. Et ça touche les rebotes. Pas coupé. Ça reste dedans. Ça reste dedans. Biscobi est obligé de prendre la gauche. Coupe au pic. Chospet coupe. Chospet premier filet. Non, aux palettes. Dommage. Pas de chance. Dufaux n'arrive plus à toucher cette pelote là depuis quelques temps. Il tire. J'espère, remet comme il peut. Attention, attention, Niaki.
Il remet bien. Il soit en hauteur, pas mal. Bonne planche. Difficile pour Etchewen. Et il arrive à la sortir. Non, Falta. Ouais, il était un peu coincé. Yann Biscoubi demande de prendre Aidé. 18-36, ouais, ça faisait un moment que les rouges n'avaient pas fait de points. On sent la partie un peu jouée. Le public d'ailleurs ne réagit plus trop aux points. Chospe va essayer de changer un petit peu le cours du jeu en changeant de pelote. Chospe au but. Mur de droite. Gauche-gauche. Chouer, Saletti qui reprend bien. Chospe coupe. Biscoubi remet. Chospe tire à droite. Biscoubi par en dessous, traverse. Trinquet, Dufour remet comme il faut. Aïe, Chewé, qu'est-ce qu'il va faire? Premier filet. Oula, bonne pelote pour Chewé. Pelote qui va vite. Attention, Chospe, bonne pelote. Traverse. Chewé remet bien. Voyons, Chospe va tirer ou pas? Non, Téchalé, bien joué. Bien sorti par Etchewer. Oui. Bien sorti par Etchewer. Oh là! C'est presque le point, ça touche la palette. Biscoubi rentre dans le jeu. Ouais. Ah, ils ont le cantion. Eh oui. Et Biscoubi fait le point au cantion. 37 à 18. Biscoubi change de pelote, reprend la sienne. 37 à 18. Allez, Yon au but. Bien buté par le mur de droite. Ouais, c'est bien sorti. Bien, bonne volée haute. Premier filet. Chegouin coupe. Dufaux. Ah là là. Sans qu'il est en difficulté. Nicolas Dufaux aujourd'hui touche pas dans la main. Bonne pelote. Il est lâche. Au milieu, ou quand il veut forcer, c'est en haut à gauche. 38 à 18. Donc voilà, on va se diriger vers une finale intéressante la semaine prochaine avec un Maïs et l'Uro. Maïs qui est quand même en reprise, on le sent quand même encore sur une phase de reprise, un peu moins dynamique que ce qu'il a été, mais quand même assez précis, assez plaisant à voir jouer. Antoine l'Uro égal à lui-même, toujours sérieux dans son jeu. Et donc ça va être une confrontation intéressante avec en face donc Nyaki Chugwir. Très puissant, qui joue de plus en plus précis, et donc ça c'est bon signe. Yon Biscoubi qui fait des points, très joué joueur. Donc là, nous avons deux arrières issus de la Gossikouissara. Donc, une confrontation intéressante avec des styles différents, des avants un petit peu similaires dans leur jeu. Ils sont capables de poser, de tirer, de couper. 19-38. Chospe au but. Tendu. Oula. Attention. Biscoubi. En dessous. Non. Il y a un Biscoubi qui veut tirer un petit deux murs, qui se grise un petit peu. Chospe au but, 20 points pour les rouges.
Ouais, bien. Bien coupé. C'est le point. C'est le point. Bien coupé de la part de HSP. 21-38. Chospé au but. Tendu. Non. Chospé, 22e point. C'est bien. S'accroche les rouges. 22-38. 6e but pour Alexis Chospé. Ouais, là, Gnacchi, il a largement la place. Et au pire, s'il faut prendre la volée, ça va aller à l'avant. Il a largement la place, Gnacchi. Voilà, il a décidé de rester derrière. C'est plus facile pour relever. Nicolas, bonne planche. Gnacchi, bien tapé, droit sur la volée haute de Chospé. Gnacchi en avançant, tire à droite et fait le point. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, on a très très bon match. Ouais. Et donc, on arrive au 39e point. Askena. Askena pour les Bleus. 39-22. Et c'est applaudi. Le public applaudit quand même parce que la partie n'a pas été lâchée. Les joueurs se sont accrochés. C'est bien. Bon but de Biscoubi qui va conclure par un but. Et il conclut par un but. Ouais. Donc la semaine prochaine, nous aurons Biscoubi et Gnacchi Etchegouin contre Maïs et Antoine Luro en finale ici au Trinquet Garat. En levée de rideau à 16h, on aura un levée de rideau avec les minimes de la Goïseko Issara contre les minimes de la Serchegui de Baïgori. On va essayer d'interviewer un des deux joueurs. Bon, la semaine prochaine, c'est ça, ouais. On va interviewer Gnacchi et Chiwe. La dernière fois, j'avais interviewé Yon Biscoubi, donc aujourd'hui, ça va être Gnacchi. Bon, Gnacchi, 40-22, la partie s'est déroulée assez facilement comme prévu, ou c'était une surprise d'avoir ce score-là? Non, c'est une surprise, oui. On avait vu la partie que j'avais fait la semaine dernière. Et c'est vrai que du foot, c'est comme ça derrière, Alexis, comme on a vu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a réussi quand même à mettre de la vitesse, à les déborder, et on a vu que ça a payé. On avait des belles plots qui revenaient, et on a fini ça comme à merveille. Alors, c'est pas assez grand. Bon, on te sent de mieux en mieux de jouer, tu joues de plus en plus précis, alors tu as gardé en plus ta vitesse de pelote. Toi tu te vois de mieux en mieux aussi sans doute, je pense. Ah oui, c'est sûr, après voilà, pas de secret. On joue toutes les semaines, donc tu prends le rythme. Bon, la finale ici au Trinquet Garat, tu vas affronter Antoine Luro, qui est en local également comme toi. Tu vois cette partie un petit peu comment? Je sais pas, il va jouer avec Edeco, j'imagine. C'est ça, ça sera Antoine, une comme c'est très bien qu'il joue ici. Il ramène tout, il passe tout. On verra, je sais pas. Il faudra jouer sérieux. Et essayer de tenir Antoine derrière. Bon, donc dans cette semaine, tu as prévu de t'entraîner ou de te reposer? M'entraîner, bien sûr. T'entraîner. Bon, merci. Félicitations, Gnacchi.